Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, maths pour tout, prendre comme un science, calcul trigonométrique, 1, correction de l'exercice 9, page 211, vidéo 7. Voilà l'exercice. Donc on commence par l'exercice 9, page 211. On donne, regardez ici, soit C, le cercle trigonométrique, c'est contre le voilà. Donne et mesure des angles orientés suivants. Donc, ici, des mesures des angles. Ici, des angles. Je pense que j'ai oublié des angles. Angles. Orientés. Donc, je recommence. On va commencer par l'exercice 9. Page 211. Soit le cercle C, trigonométrique, donc d'orient 1. Donc là, voilà le cercle C, trigonométrique. Donner une mesure des angles orientés. Donc on a ici des angles orientés parce que le cercle trigonométrique est orienté. On a deux orientations, orientation positive et orientation négative. Ou bien le sens positif et le sens négatif. C'est pour cela que l'angle peut être positif comme il peut être négatif. Par exemple ici, l'angle IOA égale à pi tiers. Son sommet c'est O. IOA. Et l'angle IOD égale à moins pi tiers. Donc on parle de l'angle orienté. Donc ici, c'est pi tiers plus 2kπ, IOA, l'angle IOA, et l'angle IOBD, c'est moins pi tiers plus 2kπ. Donc on a deux sens, on a le sens positif, on a le sens négatif. Le sens positif, c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et le sens positif, c'est le même sens des aiguilles d'une montre. Ça y est, le sens négatif. Donc, on commence par l'angle OI, vecteur formé par le vecteur OI et OG. Donc, le vecteur OI, le voilà, le vecteur OG. Donc, on a ici, on commence par OI, le départ c'est OI. Et on arrive jusqu'à OG. Donc, de OI, on termine avec OG. Donc, on commence par OI, on termine avec OG. Donc, de I vers G, ça veut dire si c'est le sens positif. Donc cet angle il est positif. Donc c'est égal à quoi? Égal à pi de mi, égal à 90 degrés. Donc 90 degrés c'est pi de mi. Donc pour l'abscisse curviligne de G c'est pi de mi. Donc comment on va l'écrire? En général on l'écrit comme ça. L'angle formé par les vecteurs OI et OG, les deux vecteurs OI et OG égale à pi demi plus 2kπ avec k appartenant à z. Ou bien on écrit comme ça, l'angle, donc la mesure de l'angle OI et OG est congrue à pi demi modulo 2pi. Donc, pour une mesure, on va prendre une mesure, on écrit comme ça, de cette façon. Une mesure de cet angle, on écrit avec une tirée vers le haut, une barre vers le haut. Voilà. Donc, OI, l'angle formé par OI OG, égale à pi demi. Ça y est. Ça, c'est une mesure pour cet angle. Donc, c'est pi demi. Donc, on passe à l'autre angle. L'autre angle, c'est OI, OA. Donc, deuxième question, l'angle formé par les deux vecteurs OI, OA. OI, OA. Donc, on commence par I, on termine avec A. Donc, c'est un angle positif, de I vers A. Donc, il est positif. Puisque positif, et quoi égal? C'est quoi égal? Égal à pi tiers. Voilà, pi tiers. Donc, on va l'écrire pi tiers plus 2kπ avec k appartient à z. Et à une mesure, on va prendre pi tiers parce que pi tiers appartient à l'intervalle moins pi pi. Donc, on va prendre pi tiers. Donc, c'est l'abscisse curviligne principale. Donc, EIOG, OIOA, cet angle a pour mesure pi tiers.
Donc, pour la troisième question, OA ou B? OA ou B? Ah, OA ou B, oui. Donc, pour OA ou B, comment on va l'écrire? On va écrire OA ou B, on va utiliser la relation de Charles. De Charles, oh bien, de Charles. Donc, la relation de Charles, donc on a O, le vecteur, donc l'angle formé par OA, vecteur OA, OB, OA, OI, plus OI, OB. Regardez ici. OB, OA, OI ici, et OI ici, sont ici. C'est le deuxième vecteur. Ici, c'est le premier vecteur. Donc, deuxième vecteur, premier vecteur doit être le même. Ici, il doit être plus. Hein? Donc, c'est quoi l'angle OA? La mesure de l'angle OAOI. Donc, puisqu'on a ici l'angle OI, on a déjà vu l'angle OIOA, c'est quoi? C'est PTR plus le KP. On va utiliser ceci. Qu'est-ce qu'on va faire? On a ici OA. Et comment on commence par hein? Donc, on va chercher, changer. Si à la place de commencer par A, de A vers I, on va commencer de I vers A. Donc, il faut ajouter, on va verser le sens. On va verser le sens. Donc, ici, on a OA, OI. Et le sens, ce sens est le sens négatif. Donc, on va l'écrire comme on a ici. Donc, on va ajouter un moins. On va ajouter un moins. Donc, égal à moins. L'angle, la mesure de l'angle formé par le vecteur OI, OA. Vous voyez? On ajoute un moins. Donc on change celui-ci de l'origine extrémité. On va les changer. Alors, l'origine devient OI et l'extrémité devient OA. Donc on ajoute un moins. Comme au vecteur, lorsqu'on change l'origine extrémité, on ajoute un moins. Ici, on ajoute un moins aussi. Ça y est. Donc, c'est quoi? Et l'autre, c'est OIOB. OIOB, la voilà, égale à 5 pi sur 6. Donc, on a déjà. Donc, c'est quoi? Donc, on a moins, le voilà. Et quoi? La mesure de l'angle OIOA, c'est. Il faut ajouter ici 2 pi, 2 capi, hein? Plus de capi. C'est quoi la mesure ici? C'est pi tiers. Le voilà, pi tiers. Donc, pi tiers, on ajoute un moins, c'est moins pi tiers. Et l'autre, c'est 5 pi sur 6. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Un plus de capi. Ça y est? Donc, il ne faut pas, ce n'est pas la peine d'écrire 2 capi plus 2 capi deux fois. On écrit ça une seule fois. Ou bien, vous l'appelez OHP, c'est la même chose. Mais, ou bien, on va. Pour l'appeler 2 capi seulement. Ça y est, ce n'est pas la peine de créer 2 capi plus 2 capi. Parce qu'on a ici 2 capi, ici on a 2 capi. Donc on ne crée. Non, ce n'est pas bien. Et donc, dans ce cas, c'est la même chose. Donc, moins pitié, donc il faut mettre en même dénominateur. Donc on va multiplier 3 par 2, parce que 6 c'est un multiple de 3. Donc on multiplie 3 par 2 et pi par 2. Donc on obtient moins de pi sur 6 plus 5 pi sur 6. Et on calcule 5 pi moins 2 pi, c'est quoi? C'est 3 pi sur 6. On simplifie par 3. Il reste quoi? Pi sur 2. Donc, l'angle, hein, regardez bien, vous trouvez que c'est pi sur 2. Ici, c'est pour un petit peu comme ça. Pour voir un petit peu. Donc, on revient. Donc, cet angle OA, OB, donc de A vers B, donc il est positif, le sens positif, donc égal à pi demi, 90 degrés, pi demi, ça y est. Donc on écrit comme ça, de cette façon, on fait un barre en haut, ça y est. Et donc on a répondu à la question. Donc c'est pi demi plus de KP avec K appartenant à Z. Donc on passe à première question, à quatrième question. On passe à quatrième question. Voilà, quatrième question. Regardez ici pour bien voir. Quatrième question. L'angle formé par les deux vecteurs OC. OD. Regardez OC, OD. Regardez bien OC. OC, la voilà. OD, la voilà. Donc, de OC, donc de C vers D. Donc, c'est un angle qui est positif. Hein?
Même si on a ici des mesures qui sont négatives, mais c'est un angle positif ici, de OC, de vecteur OC vers le vecteur OD. On commence par l'origine, c'est OC, et on se termine avec OD, donc de C vers D, il est positif. On va voir combien égale cet angle. Ça y est, on regarde qu'est-ce qu'on va faire. Donc, si quoi, on va utiliser la relation de charge. OC, l'angle formé par la mesure d'angle formé par les deux vecteurs OC, OD, et on va faire la relation de charge, on va combiner avec OI, on va combiner avec OI. Donc, OC, c'est l'angle OC, OI, plus la mesure de l'angle OI, OD. La mesure d'angle OC, OD, OI. Plus la mesure de l'angle OI, OD, ça y donc, si quoi OC, OD, OC, on a OI, OC. Donc, si quoi OI, OC, le voilà, on va revenir pour voir. Je parlais que. Donc, regardez. OI, OC, le voilà. De I vers C, dans le sens contraire. C'est égal à quoi? Égal à moins 3 pi sur 4. Et OI, OD égale à moins pi sur 3. N'oubliez pas ça, parce qu'on va utiliser. Donc, OC, OI, OC, c'est moins 3 pi sur 4, plus 2 kπ. Et OI, OD, on a dit, c'est moins pi sur 3, plus 2 kπ. Ça y est? Donc, regarde, je recommence ici. Donc, le sens positif, c'est le sens de I vers A. Et le sens négatif, c'est de I vers D. Ça y est? Il faut faire attention. Si vous faites une erreur de moins, vous trouvez que tout ça est faux. Donc, on va faire la somme. Donc, c'est quoi ceci? C'est moins. Donc, c'est moins. On va prendre l'opposé. L'opposé, donc, ça veut dire. On va changer OC en OI. Donc, c'est moins la mesure de l'angle formé par les deux vecteurs OI, OC. Ça y est, plus OD, OI, OD. Donc, c'est quoi ça? On a dit c'est moins 3 pi carré. Vous voyez qu'il faut ajouter un moins. Mais il faut ajouter un moins. Voilà le moins. Et écrire l'angle. L'angle, le voilà. C'est moins 3 pi sur 4 plus 2 kπ. Et l'autre angle. C'est moins pi sur 3 plus 2 kπ, le voilà. Moins pi sur 3 plus 2 kπ. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire 2 kπ deux fois, l'écrire une seule fois. Donc, moins, c'est plus. Ça y est. Et ici, on reste moins. Plus, moins, c'est moins. Donc, il faut mettre un même dénominateur. Donc, on va multiplier ça par 3, ça par 3. C'est quoi 3 fois 3? C'est 9. 9 pi sur 12. On va multiplier ça par 4, ça par 4. C'est moins 4 pi sur 12. Donc, on en met en même dénominateur. Donc, on calcule 9 pi moins 4 pi. C'est 5 pi. Donc, sur 12. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Un angle qui est positif. Qu'est-ce qu'on a dit? Que le sens, donc, OC, OD. Donc, voilà, OC, OD. Regardez. OC, OD. De C vers D. Donc, le sens positif. Hein? Le sens positif. Donc, il faut faire bien attention. Donc, une mesure, là, voilà, c'est 5 pi sur 12. Et 5 pi sur 12, il est compris entre moins pi et pi. Donc, pour la cinquième question, regardez pour la cinquième question ici. La cinquième, c'est OD, OA. La mesure de l'angle formé par les vecteurs OD, OA. Regardez OD, où se trouve OD? Oh, oui, OD. Là, voilà OD. Et le voilà OA. Donc, OD, OA. Donc, c'est un angle qui est positif. De OD vers OA. Ça veut dire de D vers A. Ça veut dire qu'il est positif. Dans le sens positif de cercle trigonométrique. Donc, c'est quoi OD, OA? On va utiliser la relation de Charles. Donc, OD, OD, OI. OI, OA. Donc, on va combiner avec OI. Ça y est, le vecteur OI. Donc, plus de kπ. Donc, si quoi OD, on va faire moins. On va ajouter un moins. Donc, c'est OD, OI, OD. Donc, on va changer
l'origine, extrémité, on va changer le sens. Lorsque je change le sens. L'origine, extrémité. Donc, regarde. O-I-O-D, on a déjà O-D, là, voilà. O-I-O-D, c'est moins de pi sur 3, n'oubliez pas ça. Et O-I-O-A, on a déjà dit O-I-O-A, là voilà, O-I-O-A, là voilà, O-I-O-A, c'est quoi? C'est pi tiers, ça y est? Pi tiers plus de kp. Donc, on va voir maintenant où est la question, là voilà. Pour O-I-O-D, on a dit moins pi tiers, voilà, mais il faut ajouter ce moins-là. Ça y est. Et OIOA, c'est pi tiers. Ça y est. Donc, moins, moins, c'est plus. Pi tiers, ça veut dire 2 pi tiers de kp. Donc, on a dit qu'elle est positive. Le voile, elle est positive. Et 2 pi tiers, ça veut dire 2 fois 180 divisé par tau 1. Ça veut dire 120 degrés. 120 degrés. On peut voir, si vous voulez, 120 degrés. Donc, on a c'est quoi? ODOA. ODOA. OD, là voilà, ODOA. Donc on a ici 60 degrés, ici 60 degrés, donc c'est 120 degrés. Donc c'est juste. Je ne sais pas, vous pouvez faire pi tiers pour plus pi tiers. Pi tiers plus directement. Mais c'est mieux de faire comme ça. C'est mieux d'utiliser la relation de charge. Maintenant on passe à la question 6. Pour la question 6, OC, OB. Où est OC? OC, là voilà. Le vecteur OC, le voilà. Et le vecteur OB, le voilà. Regardez bien, le vecteur OC et le vecteur OB. Donc, de OC vers OD, elle est positive ou négative? De C vers B. Donc, le sens contraire de cercle trigonométrique, le sens positif de cercle trigonométrique, donc, il est négatif. Donc, cet angle-là est négatif. Donc, l'angle OC, OB est négatif. Ça y est, formé par les deux vecteurs. Donc, elle est négative. Donc, voilà. OC, OB. Et on va utiliser la relation de charge. C'est OC, OI. Plus O1. On va combiner avec OI. Toujours, on combine avec OI parce que il nous donne la mesure directement. C'est facile. Donc, OC, OI. Donc, on va changer. On va ajouter un moins. Donc, voilà le moins. Voilà. On va ajouter un moins. Donc, on change l'origine et l'extrémité. Donc, plus OI, OB, ça y est. Donc, maintenant, OI, OC, c'est quoi OI, OC? On a déjà fait, on va voir, OI, OC, la voie, c'est moins 3 pi sur 4, plus 2 kp, ça y est. Et l'autre, c'est quoi? L'autre, c'est OI, OB. OI, OB, OI, OB. OI, OB, où est-il? Donc voilà. OI, OB, c'est 5 pi sur 6. 5 pi sur 6, plus de kp. Donc, on a dit, c'est moins. Donc, on a deux moins. Donc, moins, voilà ce moins-là. Et moins 3 pi sur 4. Et pour OI, OB, c'est 5 pi sur 6. Moins, moins, c'est plus. Donc, on calcule, on trouve. On va mettre même de l'intérieur, on va multiplier ça par 2, on multiplie ça par 3. Ça y est, on multiplie tous les deux, le numérateur et dénominateur par 3. Et ici, numérateur et dénominateur par 2, pour avoir 12 comme dénominateur commun, ou bien un multiple commun. Ça y est, de 6 et 4. Moins, moins, c'est plus, ça y est. Donc, on obtient 9 pi plus 10 pi, c'est 19 pi sur 12. Plus de kp, mais c'est pas fini. Il faut simplifier ceci. Donc, qu'est-ce qu'on va l'écrire? On va l'écrire sous cette forme-là. On va écrire 24 pi moins 5 pi sur 12. 24 pi. Combien 24 pi moins 5 pi? C'est quoi? C'est 19 pi. Donc, on n'a rien fait. On a écrit 19 pi sur la forme d'une différence sur 12. Donc, on va décomposer. Donc, de 24 pi sur 12, c'est quoi? C'est 2 pi. Voilà. Et moins 5 pi sur 2, c'est moins 5 pi sur 2. Voilà. Ça y est. Donc, 2 pi, on va l'ajouter avec ceci. Ce n'est pas la peine d'écrire en factorisé par 2 pi, c'est k plus 1. On va prendre k plus 1, c'est k prime. Alors, on va écrire ici 2 k prime pi. Avec k prime égale k plus 1, c'est la même chose. Ce n'est pas la peine. On va l'écrire 2 k pi directement.
Donc, regarde. Donc, c'est 5 U sur 12. Donc, on a trouvé qu'elle est négative. On a dit qu'elle est négative. Et une mesure, la voie est mesure, demandée, ce qui est demandé. On a dit que OC en B, de C vers B, de sens négatif de cercle trigonométrique. Shukran, c'est fini pour cette vidéo. Merci d'avoir vu cette vidéo et bonne chance. Partagez avec tes collègues. Shukran.